大家好，我叫梁毅，我来自成都，中国，对，然后我是秘密行动啊，我是 Stolen 的主唱。Alors, on vient de Chengdu, il vient de Chengdu, il s'appelle Liang Yi, et on a un groupe qui s'appelle Stolen. Nous sommes 6, ici on est 3. Donc Liang Yi, il est au chant. Moi, Formol, je fais les visuels et j'écris les paroles. Et. Da jia hao, wo shi Stolen de guitar shou Fang De. C'est le guitariste et il fait aussi le synthétiseur. Alors ils ont commencé quand ils étaient au collège, après ils ont continué à l'époque de l'université, après ils ont été diplômés. En tout, ça fait à peu près 8 ans que le groupe il a commencé, vraiment au tout début. Ça fait à peu près 6 ans qu'on a des concerts très très régulièrement, surtout en Chine. Par exemple, à l'international, on a juste commencé l'année dernière. On a fait un concert au Transmusical. On fait le premier CD en 2015, et là on est en train de préparer pour le deuxième. On a pris beaucoup de temps pour préparer ce deuxième CD. Parce qu'entre deux, on a commencé à faire des concerts à l'étranger. On réfléchit beaucoup pour la suite. Déjà, on est 6, on a différentes visions de la musique. Et les influences principales au début, c'est plutôt Kraftwerk, ou plutôt Joy Division. Après, on écoute beaucoup de choses. Et du coup, on fait de la musique, mais on ne sait plus exactement d'où on a pris les choses pour les mettre ensemble. Enfin, on ne peut plus savoir réellement s'il y a une influence très très claire. Et ça, je pense que c'est assez sain. Après le festival Sakifo, on va être assez occupé parce qu'on va revenir pour faire un mini tour en Europe. Donc il y a beaucoup de dates en France. Apparemment, il y a aussi en Allemagne et en Suisse. Après, on va faire un tour en Chine. Je crois qu'il y a 10 dates au mois d'octobre. Et après, là, on va enregistrer le nouveau CD qui va être enregistré à Berlin. Ils ne réalisent pas qu'en venant de la Chine, on puisse un jour avoir l'opportunité de jouer dans des endroits pareils et se retrouver filmé dans un endroit pareil. C'est vraiment exceptionnel, et surtout pour un groupe chinois. On a vraiment apprécié les gens ici. Un grand changement par rapport à ce qu'on connaît dans notre pays, la Chine. On internet, the pages will like me. I'm going outside, the streets will flirt with me. La première fois que j'ai pensé aller en Chine, je pensais pas aller en Chine à la base, je voulais aller en Corée du Nord, juste parce que j'étais un peu intéressé par ce genre de pays communiste, un peu froid, architecture, ça c'est une image que j'avais un peu dans ma tête. Et du coup, je me suis rabattu sur la Chine, parce que la Corée du Nord c'était un peu difficile. Et une fois arrivé en Chine, j'ai découvert un environnement qui était propice pour moi, donc j'ai continué ma vie là-bas. Donc je suis arrivé là-bas, je devais avoir 27 ans. Et du coup, j'ai commencé à vivre là-bas. J'ai fait une école d'art en France. Je suis arrivé en Chine pour la première fois avec un visa de touriste. Je suis resté 3 mois. Après, j'ai fait des allers-retours entre la France et la Chine avec des visas touristes ou business. Mais je n'avais pas réellement de vrai travail à cette époque-là. Et petit à petit, j'ai commencé à chercher.
et j'ai trouvé une opportunité de professeur de français à l'université en tant que lecteur dans la plus grande université du Sichuan. Ça fait déjà 4 ans cette année. C'est un boulot qui laisse assez de temps. Bah, tu vois, là je suis à La Réunion, j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer. Alors à côté de ça, moi dans le groupe, je suis VJ, donc je fais les visuels. Je ne supporte pas d'utiliser les visuels des autres. Toutes mes images, c'est vraiment moi qui les ai capturées avec ma caméra et moi qui ai fait de l'animation, qui ai bougé les choses. J'ai besoin d'avoir ce sentiment de fait main. J'aime pas trop faire les choses par l'ordinateur, j'aime bien que ce soit fait main. La première année où je suis arrivé en Chine, avec ma copine de l'époque, on a eu une opportunité de monter un petit bar qui était à côté d'un conservatoire de musique. Eux, ils étaient étudiants à cette époque. Et du coup, ils venaient souvent dans mon bar. Moi, je passais de la musique un peu différente. On a commencé notre relation comme ça. Et la première fois qu'on a joué ensemble, ben, c'était dans mon bar. Ils ont fait un concert dans mon bar et moi, j'ai mis des visuels dans le fond, vite fait. Oh, we are stolen from China here.